On va se permettre d'insister parce que là, il y a quand même un gros problème. Le gouvernement incite environ 40 000 Français à adopter le chauffage avec les poêles à granulés. Derrière, il y a une augmentation faramineuse des prix, à peu près 150% en 6 mois. Il y a de la spéculation dedans. Il y a des vendeurs qui ont mis de côté exprès, et ça on en a déjà parlé en commission et pendant, y compris les rendez-vous de Bercy, il y a des gens qui ont acheté des denrées, qui les ont mis de côté pour faire augmenter la demande, et maintenant que la demande est plus forte, ils ont fait augmenter les prix. C'est-à-dire, c'est du vol. Donc, on est dans une situation où l'État a favorisé cette installation, et donc doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. On ne dit pas que tout est de la faute de l'État, mais là, il y a un vol organisé qui est en train de se faire sous nos yeux, avec une spéculation, avec des choses qui sont en rapport avec l'augmentation des prix de l'énergie, mais pas que. Et donc, je crois que c'est important que, ici, dans cette commission, on puisse envoyer comme signal, avant l'examen en hémicycle, notamment si on ne peut pas en discuter en hémicycle à cause du 49-3, le signal qu'on prend cette question au sérieux et qu'on souhaite que le gouvernement bouge. Et ça devrait rassembler tous les groupes politiques.